Pourquoi est-ce que Kylian Mbappé et Lionel Messi ne s'entendent pas? Voici les trois raisons pour lesquelles la situation est plus tendue entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. La première raison, elle est simple. Kylian Mbappé a pour idole Cristiano Ronaldo, et ça, nous le savons depuis tout le temps. À travers une des photos de Kylian Mbappé, qui est plutôt populaire, couché dans sa chambre avec plein de photos partout de Cristiano Ronaldo au Real Madrid. La deuxième raison est que Kylian Mbappé a l'ambition d'être le joueur ultime, le meilleur joueur que la planète n'a jamais connu. Alors, le fait que Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain, être un probable concurrent dans des trophées individuels lorsque le Paris Saint-Germain va remporter des trophées. Cela crée beaucoup de gêne à Kylian Mbappé dans son ascension. Et la troisième raison est cette Coupe du Monde qui a marqué cette cassure véritable entre Kylian Mbappé et Lionel Messi, parce que les deux n'ont pas fait semblant de célébrer, n'ont pas fait semblant d'être heureux de chaque occasion, de chaque date, de chaque dimension. Et surtout qu'à la fin de la rencontre, lorsque l'Argentine remporte le trophée des Coupes du Monde, les Argentins ne lésinent pas sur le moyen de se moquer, d'humilier, de descendre dans la poussière Kylian Mbappé à la vue et au su de Lionel Messi sans qu'il réagisse. Alors là, je pense que le retour de Lionel Messi au Paris Saint-Germain aura un nouveau Lionel Messi qui est vainqueur de cette Coupe du Monde et un nouveau Kylian Mbappé qui a vu à peu près, je dirais, le vrai visage de Lionel Messi vis-à-vis de lui dans sa situation en tant que joueur, dans le respect et dans la nouvelle manière de communiquer au Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y aura un avant Coupe du Monde et un après Coupe du Monde au Paris Saint-Germain. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'était l'Arithmétique. Tchuss.